Connaissez-vous Vincente La Perini ? Sous le nom de Daniel Casanova, cette femme admirable défendit ses valeurs jusqu'à la mort. Originaire de Piane, Vincente est née à Ajaccio le 9 janvier 1909. Elle y reste jusqu'à la fin de ses études secondaires, puis elle part à Paris. Désirant exercer un métier libéral et médical, elle s'inscrit à l'école dentaire et s'engage par ailleurs dans les jeunesses communistes, où elle saura rapidement faire reconnaître ses qualités et son autorité naturelle. C'est à cette époque qu'elle choisit de se faire appeler Daniel. Dans cette vie de réunions engagées, la jeune militante rencontre Lucien Casanova, qu'elle épouse en 1933. Son engagement politique se renforce et en 1936, le Congrès de l'Internationale la charge de fonder l'Union des jeunes filles de France, un mouvement de jeunes filles pacifistes et antifascistes. En septembre 1939, quand le Parti communiste français est interdit, c'est dans la clandestinité que Daniel poursuit son combat. Mais son destin bascule le 15 février 1942. Il fait alors très froid et Daniel décide de livrer du charbon à Georges Politzer, résistant et philosophe. Hélas, au domicile de l'éditeur clandestin, ce sont les brigades spéciales venues arrêter le couple qui l'attendent. Après une période de détention durant laquelle elle ne cesse jamais de militer, elle est déportée le 24 janvier à Auschwitz. Avec elle, ce sont 230 femmes que le convoi emporte, pour la plupart des résistantes. Sa formation de chirurgien-dentiste lui confère de meilleures conditions de détention et elle aide, du mieux qu'elle peut, les autres femmes. Mais au mois d'avril, une épidémie de typhus ravage le camp et Daniel décède le 9 mai. Elle reçoit la Légion d'honneur à titre posthume et pour honorer sa mémoire, 95 communes de France ont choisi de donner son nom à des rues, des boulevards, des places, mais aussi des écoles, des collèges et des lycées. Depuis 2002, un paquebot porte son nom. Et en 2012, c'est Daniel Casanova que la Monnaie de Paris choisit pour illustrer la Corse sur une pièce de 10 euros en argent. Thank you.